Tac, voilà. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation des mardis de l'ESSEC. Donc, je suis Paul du bureau des mardis. Voici Mathilde qui va mener l'interview avec vous ce soir. Donc, il est 19 h pile, on peut commencer dès que vous le souhaitez. Et encore merci pour votre présence avec nous ce soir sur Zoom. Très bien, bah c'est non, non, merci de votre invitation. Voilà. Une version des mardis qui effectivement n'existait pas de mon temps, ça fait un peu ancien combattant là. Mais j'ai vu que vous étiez adapté pour pouvoir poursuivre nombre de rencontres de cette façon-là pendant cette période un peu particulière qu'on a vécue. Exactement. Du coup, bonjour Monsieur Lemoine. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Donc, je suis fière de présenter ce dernier débat de la saison 2019-2020 des mardis de l'ESSEC et pour rappeler en partenariat avec le cabinet d'audit et de conseil Mazars et OnePoint, architecte de la transformation des entreprises et de la modernisation des États. Donc, Monsieur Lemoine, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé notamment des questions liées au tourisme et au commerce extérieur. Vous passez d'abord par l'ESSEC, comme nous, puis vous devenez en 2002 collaborateur de Jean-François Copé. Vous passez maire de Valérie, puis sénateur apparenté UMP de Lyon en 2014. Vous siégez à l'Assemblée, où vous investissez dans de nombreux sujets sociaux, notamment en étant rapporteur sur la loi travail El Khomri. Vous soutenez Alain Juppé lors des primaires de 2016, puis, suite à l'affaire Fillon, vous rejoignez les camps d'En Marche aux côtés d'Emmanuel Macron, aux côtés duquel vous êtes toujours aujourd'hui en tant que secrétaire d'État. Donc, j'aimerais bien organiser notre débat autour de trois axes qui sont un peu vos casquettes. D'abord, nous parlerons du tourisme, ensuite du commerce extérieur, puis ensuite des questions un peu plus personnelles sur votre vision en général. Donc, si ça vous va, ensuite nous prendrons les questions du public. On y va. Donc, on va commencer par les questions du tourisme, questions de grande actualité. Et donc, ma première question, c'est un peu ce qui s'est passé pendant cette phase de déconfinement. Les restaurants et lieux ouverts au public ont supporté un certain nombre de règles sanitaires très lourdes qui ont été mises en place assez lentement. On était un peu dans le flou et ça a pour beaucoup empêché de reprendre une activité assez correcte, assez rapidement. Bon, par exemple, l'espacement très lourd entre les tables, les interdictions de l'ouverture des sanitaires, par exemple, dans les restaurants, sans parler des restaurateurs qui n'ont pu ouvrir que sous le soleil. Or, il a plu très souvent. Et donc, ma question, c'était, est-ce que le principe de précaution qui a été appliqué là aux normes sanitaires, etc., ont pu justifier ce protocole qui a été vraiment très long, qui a semblé inutilement lourd à beaucoup des professionnels dont vous êtes responsable? Bien, alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui le 16 juin, je crois, et finalement, la première phase du déconfinement, elle est assez récente. Elle remonte au 11 mai, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et ça paraît aujourd'hui peut-être un siècle, parce que après avoir été un peu, je dirais, condamné à être entre quatre murs pendant 2 mois et demi, effectivement, enfin, la population française a été confinée. On a retrouvé cette liberté progressivement, à la fois de circulation, d'abord les 100 km, puis l'ensemble du pays. Et donc, je crois peut-être qu'on a tendance à oublier un peu vite ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu, c'est quand même un épisode assez traumatique. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on a enclenché cette première phase du déconfinement, puis la deuxième, etc., il s'agissait effectivement d'être précautionneux. Oui, on l'assume. Parce que on ne veut pas jouer avec la santé des Français. Et vous l'avez vu, nous sommes condamnés pour l'instant à vivre avec le virus. Et donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Alors certes, il y a des pistes qui semblent peut-être prometteuses ici ou là, mais pour l'instant, on doit composer avec. Et ça veut dire que il faut une grande vigilance, une grande prudence. Et d'ailleurs, les professionnels eux-mêmes, je crois, ont été très sensibles au fait que les consommateurs, eux-mêmes allaient demander de la réassurance sanitaire. Et d'ailleurs, ces protocoles sanitaires, et notamment celui de la restauration, de l'hôtellerie, ce sont les professionnels eux-mêmes qui l'ont élaboré.
les différentes fédérations hôtelières, l'UNIH, le GNI, des représentants d'accord, etc. Et après, nous, on les a passés au crible du ministère de la Santé, du Travail, etc. Mais on a, je crois, échappé, il faut le dire déjà, souvenez-vous, il y a eu ce débat, au fait d'avoir peut-être un client pour chaque 4 mètres carrés. Là, la seule contrainte, c'est d'avoir cet espacement de 1 mètre entre les tables. On peut faire des tablées de 10, ce qui permet déjà d'avoir un peu de convivialité, je dois dire. Et naturellement, on est conscient que ça peut peser sur les jauges des établissements. Et c'est pourquoi le président de la République, il est super conscient de ça. Et le 24 avril, quand il a reçu les professionnels du tourisme, il leur a dit « la reprise va être progressive, donc on a besoin aussi de vous aider à trouver votre point d'équilibre, votre point mort. » Et c'est pour ça qu'on a mis en place un plan d'aide massive qui va se poursuivre jusqu'à décembre 2020. Parce qu'on est bien conscient que le restaurant aujourd'hui, il n'a peut-être pas autant de clients, la capacité d'accueil similaire à celle d'avant la crise. Donc oui, c'est vrai qu'on revendique en tous les cas le fait d'avoir été précautionneux et progressif en tous les cas dans cette étape. Mais vous avez vu, la bonne nouvelle de dimanche soir, c'est qu'on a pu anticiper de quelques jours, d'une semaine en fait, la réouverture de l'intérieur des restaurants. Et moi, je m'en réjouis parce que c'était un de mes combats. Mais donc oui, bien sûr qu'il y avait des normes sanitaires, etc. Enfin ça tombe sous le sens, même pour sécuriser les clients. Donc il y a des restaurateurs qui ont eu des amendes pour avoir ramené leur terrasse à l'intérieur quand il pleuvait, des festivaliers qui ne savent pas encore combien de personnes vont pouvoir venir. Donc ça, c'est pour des raisons sanitaires évidentes. Et comment est-ce que vous leur avez justifié la tolérance qu'il y a eu pour les manifestants qui étaient exactement dans la même rue que la tolérance sur les questions sanitaires, etc., qui a été appliquée là, qui n'a pas été, alors qu'on avait une tolérance zéro pour les professionnels, notamment restaurateurs, les bars qui ont dû payer des amendes pour avoir rapproché les gens. Donc, comment vous avez pu justifier cela et face à eux? Alors, je réunis les professionnels du tourisme chaque semaine, chaque mardi. D'ailleurs, ce matin, on était ensemble au sein du comité de filière tourisme. Je n'ai pas eu de retour de ce type-là, d'amende, etc. Donc, ça doit rester, je pense, des cas très isolés. Et heureusement, parce que ce qui compte, c'est cet esprit de prudence. Et naturellement, on le sait, les premiers jours en Ile-de-France ont été notamment assez pluvieux. Et donc, j'espère qu'il y a eu du discernement dans la façon dont les choses se sont faites. Encore une fois, je n'ai pas eu énormément de retours de ce point de vue-là. C'est la première fois que j'en entends parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette capacité d'ailleurs à aller en salle comme à l'extérieur. Et d'ailleurs, ce que me disent les restaurateurs eux-mêmes, c'est en ce moment, tout le monde se précipite plutôt à l'extérieur parce que voilà, les beaux jours sont un peu revenus. Et donc, tant mieux. Donc, écoutez, restons positifs, optimistes et tournés vers l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que certes, il y a eu 3 mois très compliqués, très difficiles, mais j'ai bon espoir que la saison puisse avoir lieu, puisse se dérouler. Et quand on regarde d'ailleurs un certain nombre de réservations, alors ça va au-delà des restaurateurs, mais vous avez des restaurateurs qui vous disent, qui sont reconnus en gastronomie, etc., qui vous disent « mais moi, je suis plein jusqu'au 15 juillet ». Donc, c'est aussi un peu l'appel que j'ai lancé aux Français en disant par solidarité, n'hésitez pas à y aller et y retourner. Pendant cette crise, les grands agrégats macroéconomiques laissent entendre qu'il y a à peu près 55 milliards d'euros, de bas de laine qui ont été constitués. C'est le moment de les réinjecter dans l'économie française parce que le tourisme, en fait, il entraîne énormément de secteurs, tant en amont qu'en aval. En amont avec des débouchés pour l'agriculture, pour les pêcheurs, etc. Et puis en aval, il y a énormément de services associés. Donc écoutez, j'espère que le cas que vous relatez reste relativement exceptionnel. Pour le reste, les manifestations de la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a évoqué au moment où effectivement il y avait une émotion mondiale par rapport à ce qui est arrivé M. Floyd, sorte de tolérance, mais ce qui est clair, c'est que, en revanche, il ne peut pas y avoir de tolérance pour les actes, par exemple, dont on est témoin aujourd'hui, avec des casseurs qui
eh bien, hélas, ont dénaturé certains cortèges en fin de parcours. Très bien. Bon, bah, du coup, on note un peu plus positive. J'aimerais bien revenir sur un engagement que vous aviez pris, enfin un objectif du Premier ministre, et donc j'imagine que c'est vous qui alliez l'appliquer avant toute cette crise du coronavirus. Vous souhaitiez que la France accueille bientôt 10 millions de touristes par an. Donc voilà. Or, l'hypertourisme, vous en avez bien conscience, bien sûr, est une source énorme de dégradation si on regarde rien que des villes comme Venise ou Lisbonne qui croulent aujourd'hui sous le poids des cars ou des croisières qui arrivent dans leur port. Quelles mesures concrètes sont mises en place, même dans des temps compliqués comme ça, pour éviter des désastres qui sont autant écologiques que physiques, donc sur les populations qui y habitent, sur les locaux, de l'hypertourisme de masse que ce genre de proposition, eh bien, on pourrait penser tant à favoriser. Alors, en fait, c'était un objectif qui remonte à avant nous, puisque c'est Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui a rapatrié justement la compétence tourisme au Quai d'Orsay, qui avait à l'époque, ça devait être en 2012 ou 2013, fixé le cap effectivement de 100 millions de touristes internationaux en France en 2020. Il se trouve que la France, bon an, mal an, elle tourne à 89-90 millions de touristes internationaux. Mais ce qui est clair, c'est que justement, moi, je plaide pour qu'on regarde d'autres indicateurs. Je pense que, très clairement, ce qui compte, c'est plus les retombées économiques sur nos territoires et donc les recettes touristiques internationales qu'il faut regarder. Et là, pour le coup, on n'est pas en première position, on est en troisième position. Parce qu'on a devant nous les États-Unis, 214 milliards de dollars de recettes touristiques, l'Espagne autour de 80 et nous autour de 67 milliards si on prend des dollars, et si on est en euros, c'est plutôt autour de 57-58 milliards. Et donc, moi, c'est plutôt cet indicateur qui m'intéresse, et je pense qu'on est d'ailleurs, il y a vraiment tout un processus, je crois, en tous les cas, de prise de conscience sur le fait que le tourisme, il doit être toujours plus durable, soutenable, que ça doit être une activité qui est harmonieuse par rapport à l'environnement dans lequel il se déroule. Et très clairement, vous évoquiez le surtourisme de certaines villes européennes. Je pense qu'en France, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Il y a quelques endroits très ponctuels. La région Île-de-France, la région capitale est très fréquentée, la région sud également. Je crois qu'on a tout intérêt aussi par un système de desserte aérienne suffisamment fin sur le territoire, et puis au-delà de l'aérien, du ferroviaire, naturellement, qui peut être un meilleur bilan carbone en attendant les avions électriques. Et bien, en tous les cas, faire en sorte que ce tourisme soit bien réparti et supportable et ne crée pas trop d'externalités négatives. C'est ce que vous évoquiez. Donc, je crois que maintenant, le tourisme durable, c'est pas un slogan, c'est une réalité sur laquelle il faut qu'on travaille. Et donc, oui, vous avez raison. Il faut un peu changer les indicateurs qu'on regarde, ceux qu'on met en valeur. Et donc, du coup, ça va orienter aussi les politiques. Mais du coup, par rapport à cette vision économique du tourisme que vous évoquez, est-ce que, on observe beaucoup une sorte d'américanisation du tourisme, comme les gens viennent et consomment. Beaucoup de villes, par exemple en Europe, font des tours, etc. Ils veulent retrouver un certain cadre partout où ils vont, un McDonald's, un Starbucks, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une certaine américanisation du tourisme si on observe cette notion économique du tourisme au détriment de projets locaux, etc. Moi, je crois que les voyageurs sont quand même très séduits par le caractère un peu différent des expériences qu'ils peuvent vivre. Finalement, si on vit la même chose partout dans le monde, ça perd sa saveur. Je suis assez confiant sur le fait que la France a une super carte à jouer parce que justement, il y a une diversité d'expériences formidable. Parce qu'on est un pays géographiquement qui est grand, on a une diversité folle, que ce soit les littoraux, il n'y en a pas un pareil entre une plage des Landes et une
écrit que la Méditerranée, les montagnes entre l'expérience des Alpes et des Vosges, c'est tout à fait différent. Donc, je crois qu'on a une chance, c'est que pour faire le tour du monde, il faut faire le tour de la France et vous retrouvez un peu du monde partout. Il y a des magnifiques clichés d'ailleurs qui ont été publiés il y a quelques semaines dans Match, commentés par Stéphane Bern, parce qu'on a en commun d'être des défenseurs de ce hashtag « Cet été, je visite la France » et des défenseurs du patrimoine national, avec des photos qui montraient bien combien on pouvait se croire en Namibie du côté de la dune du Pilat, comment on pouvait se croire en Amazonie au cœur de la Creuse. Enfin bref, vraiment des endroits comment dire, qui sont évocateurs de multiples expériences. Donc, je crois que effectivement, il faut éviter l'uniformisation, il faut éviter le fait de devoir être tous sur le même modèle. Certes, il y a des standards de qualité. Et d'ailleurs, on veut aider notre offre à continuer à progresser en qualité parce que de nombreuses destinations ont émergé ces 20 dernières années, des territoires qui étaient inconnus sur la carte du tourisme se sont structurés, se sont développés, ont beaucoup investi. Et donc, face à cela, on ne doit pas rester le pied dans le même sabot, j'en conviens. Et c'est d'ailleurs l'objet du plan de soutien, notamment, qu'on a mis en place, parce qu'avec la Caisse des dépôts, c'est justement 1,3 milliard d'euros d'investissements publics qui vont générer 7 ou 8 au total avec les acteurs privés pour pouvoir réhabiliter, remettre à niveau des stations littorales ou de montagne qui doivent s'adapter aussi à la nouvelle donne climatique, moins d'enneigement, un certain nombre de problématiques qui se posent. Donc, je crois qu'il n'y aurait rien de plus triste qu'effectivement l'uniformisation. Et donc, j'incite plutôt à chausser comment dire, les pattes au gaz et à se mettre dans les pas de Sylvain Tesson, qui, dans les chemins noirs, justement, traversait cette France eh bien, ô combien attachante, qui est à l'écart des autoroutes. Mais dans laquelle, je crois, on peut passer des moments formidables. Alors, du coup, on a parlé beaucoup de la France avec cette partie sur le tourisme. Donc, on va partir un peu à l'extérieur en parlant de commerce. Et donc, j'aimerais revenir sur une première chose. Vous avez fait le constat d'une France qui était trop dépendante de certains acteurs à l'extérieur, constat qu'a aussi fait Emmanuel Macron en voulant retrouver une souveraineté, comme il l'a dit. Et qui suggère en fait un retour à la production française, etc. Pourtant, pendant le confinement, vous avez soutenu l'approfondissement du traité commercial entre l'Europe et le Mexique, qui a donc été signé par le commissaire européen chargé du commerce et la ministre mexicaine. Pourtant, ce traité était critiqué depuis les 2000, depuis qu'il a été mis en place, pour affaiblir notre système agricole, pour ouvrir la porte à des exportations supplémentaires, notamment sur la viande. Est-ce qu'on peut réellement prétendre regagner une indépendance, retrouver des productions locales ou soutenir nos agriculteurs si, dans le même temps, on approfondit des relations commerciales avec des pays qui vont nous faire importer des données au détriment de nos forces de production? Alors, sur ce sujet des accords commerciaux, la France, depuis déjà 2-3 ans, elle porte clairement une vision ambitieuse, souvent à l'avant-garde. Alors, à l'avant-garde, c'est le mot pudique en diplomatie pour dire isolé. C'est-à-dire que, par exemple, sur les sujets d'environnement, nous, ça fait 3 ans qu'on prône, par exemple, pour que les accords de Paris deviennent, alors pardon, c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle des clauses essentielles des accords commerciaux, ça veut dire qu'on les met au même niveau que les droits de l'homme, avec la même importance, et ça veut dire que si un État eh bien, ne suit pas la trajectoire qu'il s'est fixée, on peut, comme si les droits de l'homme étaient remis en cause dans un État, eh bien, nous-mêmes revenir sur les préférences tarifaires. Donc, eh bien, ça, maintenant, ça fait partie de la feuille de route que la présidente de la Commission européenne a donnée au commissaire au commerce. Et donc, c'est vous dire que ce volontarisme du président de la République, eh bien, avec la nouvelle commission, je pense qu'il va trouver à se traduire. Et donc, les accords commerciaux de demain, ils ne doivent pas être les mêmes que ceux d'hier. Et très clairement, moi, j'ai vécu, justement, en tant que jeune sénateur, les débats sur, à l'époque, un accord qui était en cours d'élaboration avec les États-Unis, pour lequel on avait l'impression qu'il y avait une
la négociation, c'était une sorte de boîte noire. On n'avait pas accès aux informations. C'était très, très opaque. Et donc, depuis, nos exigences, ça a été également d'avoir plus de transparence, plus d'informations de la part des négociateurs de la Commission européenne, parce que c'est une compétence de l'Union européenne, la politique commerciale, vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des parlements nationaux, vis-à-vis des peuples, vis-à-vis des ONG. Et d'ailleurs, lorsque Nicolas Hulot était membre du gouvernement, on a travaillé ensemble sur l'accord avec le Canada pour améliorer les choses. Et c'est ainsi qu'on a mis en place un certain nombre de garde-fous, ce qu'on appelle le veto climatique. On a fait en sorte également d'avoir, de verdir la politique commerciale. Et donc, par exemple, sur le sujet du Mexique, nous, maintenant, on fait des études d'impact. Et donc, on ne prend pas comme argent comptant les études d'impact européennes. On veut faire des études d'impact nationales, voir quel est l'effet de ces accords avant de se prononcer. Et on a mis en place toute une méthodologie. Très clairement, je veux dire, on n'est pas là pour brader les intérêts de la France. Au contraire, on est là pour défendre notre modèle. Et je précise que, avec un accord, par exemple, comme celui du Canada, on a réussi une chose, c'est faire en sorte que soient reconnues, vous savez, les IGP, ces indications géographiques protégées. Et les IGP, justement, c'est hyper important parce que c'est reconnaître que, eh bien, un produit, c'est le fruit du travail de femmes et d'hommes sur un territoire donné. Le comté, c'est le comté qui est élaboré avec un savoir-faire ancestral eh bien, en Franche-Comté. Ça ne peut pas être quelque chose de produit au Canada avec des méthodes différentes sur un territoire qui n'est pas celui où le comté est élaboré. Et donc, c'est la reconnaissance aussi de la spécificité de nos produits et de leur lien avec un terroir. Donc, ça bat en brèche le modèle justement américain qui, lui, est beaucoup plus fondé sur la reconnaissance de la marque. Et le fait, petit à petit, dans ces accords commerciaux, de faire accepter aux partenaires ce type d'évolution, c'est, en fait, c'est considérable parce que c'est une révolution copernicienne. Donc, ces accords, il faut naturellement être très vigilant sur le contenu parce qu'il est hors de question de déstabiliser des filières sensibles. Et donc, on a notamment ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde qui permettent à tout moment de lever les préférences tarifaires si on voit qu'il y a une filière qui est déstabilisée. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui agitent beaucoup, en tous les cas, l'opinion et sur lesquels il est important de pouvoir donner la réalité des faits. Par exemple, sur le Canada, il y a eu beaucoup de craintes sur un déferlement de la viande bovine. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. La viande bovine canadienne, il y a quoi ? Il y a entre 500 et 1000 tonnes qui doivent être exportées du Canada vers l'Europe. Ça représente un ou deux steaks par Européen par an. Enfin, c'est vraiment négligeable, tout simplement parce que le Canada n'est pas équipé pour respecter, enfin pour adresser notre filière et respecter les normes européennes, parce que les normes européennes, elles doivent être respectées par tout produit qui pénètre sur notre sol. Et de ce point de vue-là, on demande régulièrement des audits sanitaires pour s'assurer qu'il y a bien ce respect, et puis des contrôles, naturellement. Oui, et donc par rapport à toute cette partie écologique que vous venez de citer, donc vous en avez fait, et je pense que c'est quelque chose qui, notamment pendant la crise du COVID-19, a touché beaucoup de nos concitoyens et qui est un sujet absolument essentiel. Et d'ailleurs, Phil Hogan, donc commissaire européen chargé du commerce, s'en est félicité durant ces accords entre l'Europe et le Mexique, puisque c'est les derniers de cette avancée écologique. Mais pourtant, on sait très bien que les cultures intensives, si ça ne pose pas de problème chez nous, ça pose des problèmes là-bas. Le transport, tout simplement, de faire venir des marchandises de loin, pose des problèmes. Et donc, toutes ces remises en question. Vous citiez Nicolas Hulot, qui, je crois, a quitté le gouvernement parce qu'il ne se sentait pas capable d'agir et qu'il n'arrivait pas à agir à cause de toutes les barrières qu'on lui mettait. Il y a une remise en question du système qui est demandée
et on a l'impression qu'on continue exactement dans le même sens en avançant avec des petits pas, en disant par-ci on va signer un truc un peu plus vert, par là on va par exemple faire des études d'impact mais sans grande forcément conséquence. Est-ce que c'est pas un peu du greenwashing du même système? Regardez, la Chine, il n'y a pas d'accord commercial avec la Chine. Ça vous empêche pas, ça empêche pas l'Europe d'être inondée de produits chinois avec toutes les fuites de carbone que ça comporte, parce qu'on le sait, les modes de production là-bas sont globalement moins respectueux de l'environnement, il y a encore du charbon, etc. etc. Donc, vous voyez que c'est pas le fait qu'il y ait un accord commercial qui favorise l'échange et qui donc nuit en termes de pollution. Il peut ne pas y avoir d'accord, c'est le cas avec la Chine, et pourtant, vous n'empêchez pas des dizaines de milliers de tonnes de produits de venir de ce territoire. Donc, je crois que ce qui est important, justement, c'est d'avoir des études d'impact très précises, et notamment, ça a été fait pour l'accord avec le Canada, et on s'est rendu compte, en fait, que l'impact était marginal en matière de gaz à effet de serre, tout simplement parce que lorsqu'une marchandise, effectivement, est plus exporté d'une partie du monde vers l'autre, il y a un effet de substitution et que, bah, par exemple, il y a peut-être plus de transport maritime entre le Canada et l'Europe, mais il y a moins de transport routier au sein de l'Europe parce que les mêmes produits, du coup, n'ont pas forcément le même débouché. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut regarder aussi de façon très concrète, hein, ces bonus et ces malus, et on voit qu'au total, effectivement, l'impact demeure assez marginal. Mais ce qui est très clair, c'est que toutes nos décisions doivent être naturellement guidées, éclairées par cette dimension écologique et que la politique commerciale demain, elle sera aussi durable, elle ne sera pas. C'est-à-dire, quand on adopte aux Nations Unies un cadre qui sont les objectifs de développement durable à échéance 2030, ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des politiques publiques soient guidées par ça. Et par exemple, moi, je trouve qu'on gagnerait à avoir un budget de l'État qui est construit aussi selon ses objectifs de développement durable. Ça permettrait d'intégrer en national un certain nombre d'engagements internationaux. Alors, vous savez que les budgets sont construits selon un modèle, la loi organique relative aux lois de finances, bon, bref. Mais je trouve qu'intégrer des indicateurs liés au développement durable ne peut être que profitable parce que, très clairement, ça ne peut pas être un slogan, il faut que ce soit une réalité. Pour que ce soit une réalité, il faut que ça se traduise dans les politiques publiques. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui demandent un changement de système, alors graduel, hein, bien sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais disant, accusant que la globalisation est peut-être allée trop loin? Alors, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, la crise qu'on a vécue en ce moment, crise du Covid-19, je crois qu'elle a montré un certain nombre de fragilités, c'est-à-dire qu'on était peut-être aussi trop dépendant de fournisseurs, et parfois de fournisseurs dans un seul pays. Donc, je crois qu'il y a le besoin justement de diversifier les approvisionnements, de pouvoir conforter notre industrie nationale et européenne pour pouvoir répondre aux besoins européens. Je pense qu'il va y avoir un mouvement un peu de régionalisation, si je puis dire, peut-être plus de chaînes d'appro qui vont rester au niveau des grands ensembles régionaux que sont l'Europe, que sont l'Afrique, etc., plutôt que d'être parfois concentrés sur un trop faible nombre de pays. Ça fait partie des enseignements de la crise. Et encore une fois, je vois bien que la prise de conscience sur l'aspect, le volet environnemental, il se fait. Il se fait et encore une fois, il y a 3 ans, j'avais le sentiment d'être un peu le trublion dans les conseils des ministres du commerce à Bruxelles. Déjà, depuis plus d'un an, je me souviens, les Européennes ont marqué d'ailleurs, ont été un moment un peu fondateur, je pense, parce qu'il y a eu cette prise de conscience écologique dans beaucoup de pays. Je vois mes collègues ministres du commerce dans l'Union européenne qui commençaient à se rallier à l'opposition et effectivement à convenir que ça ne pouvait pas être business as usual. Mais ça demande, c'est comme Sisyphe, hein, il faut continuellement pousser le rocher. Et d'ailleurs, il y aura une occasion pour les citoyens, puisque justement, Philogan a annoncé que l'Union européenne allait revoir sa stratégie de politique commerciale
Il a, je crois qu'il en faisait l'annonce hier, et ça veut dire que pendant plusieurs mois, il va y avoir sûrement une grande concertation au niveau européen, et notamment à la destination des citoyens, des ONG, des parlements nationaux. Donc c'est le moment de faire savoir ce que vous voulez pour le commerce de demain, pour l'économie de demain, pour que bien voilà, les dirigeants européens entendent la voix des Européens et des jeunes Merci. Européens. Merci bien pour cette réponse sur le commerce extérieur. Du coup, là, j'ai encore deux questions sur plus votre avis sur la situation. Déjà, j'aimerais vous poser une question. En 2017, donc, vous quittez les Républicains pour rejoindre la grande vague En Marche. Pourtant, vous aviez manifesté aux côtés de Sens Commun contre le mariage pour tous, donc avec des valeurs sur les sujets sociaux un peu assez conservatrices. Et vous appartenez désormais à un gouvernement qui est à l'opposé et qui pousse les avancées sociales d'un côté extrêmement progressiste. On voit par exemple sur les débats avec la PMA. Et donc, est-ce que ce n'est pas contre vos valeurs d'appartenir à un gouvernement qui est si progressiste sur les sujets sociaux ? Alors, je vais vous dire, moi, ce qui caractérise mon engagement politique, justement, c'est l'indépendance. Et l'indépendance d'esprit, parce que il n'y a rien de pire que d'être, je trouve, caporalisé par les appareils politiques. J'ai été élu parlementaire en tant que sénateur indépendant. Tous les partis politiques avaient aligné des candidats contre moi. Et je crois que ce qui a plu, justement, aux grands électeurs de Lyon, c'est ça. Et très clairement, dans la campagne électorale présidentielle, moi, j'avais soutenu Alain Juppé lors de la primaire parce que je pense qu'on avait besoin de quelqu'un qui cherche à fédérer les Français et pas à les dresser les uns contre les autres. Et il me paraissait du coup être la bonne personne au sein de la droite. Après, est arrivé effectivement le résultat de cette primaire qui, par définition, ne me convenait pas. Et surtout, de voir, je dirais, le reniement moral petit à petit du candidat de la droite avec un certain nombre d'affaires sur lesquelles on ne reviendra pas. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai lu avec attention ce qu'avait écrit Emmanuel Macron. À l'époque, c'était son livre qui s'appelait « Révolution ». Et après, j'ai écouté, je me souviens encore, je vois encore ça, je le revis au moment où je vous parle, il présentait son projet, c'était le 2 mars 2017, je regarde ça dans mon bureau au Sénat sur BFM, et après l'avoir écouté, je me dis, mais si tu es honnête avec toi-même, sur 90% des trucs, tu es d'accord, ça peut converger. J'ai pris un peu, voilà, quelques jours pour lire Révolution, et là aussi, j'ai retrouvé beaucoup de choses avec lesquelles j'étais en résonance, notamment par rapport à toutes les énergies qu'il voulait libérer. Et c'est ainsi que, je lui ai dit un jour, sachez que voilà, je vais annoncer que je vous soutiens. Et parce qu'à l'époque, je voyais bien qu'on était dans une France qui était un peu au bord de la crise de nerfs, justement, avec un quinquennat qui avait beaucoup fracturé les Français, et vous évoquez les sujets sociétaux. Oui, j'ai eu ces engagements, et je pense qu'il était urgent de ne pas continuer à adresser les Français les uns contre les autres. Et Emmanuel Macron portait, je trouve, ce dynamisme, cette volonté de réunir large des gens qui, venant de la droite, de la gauche, du centre, d'ailleurs de la société civile, puissent se retrouver derrière un programme. Et ce programme, je l'ai accepté en toute connaissance de cause, je vous l'ai dit. Sur la plupart des grands chapitres, je m'y retrouvais largement. Après, il y a toujours, il y a toujours un ou deux points sur lesquels vous pouvez avoir des nuances, mais ça n'empêche pas que sur l'essentiel, l'accord était là. Et donc, c'est pour ça que j'ai été premier parlementaire, effectivement, de droite à lui apporter mon soutien. Et je ne le regrette pas parce que je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir un président de la République, jeune, dynamique, qui sur la scène internationale, je peux vous en parler, a fait revenir la France. Et regardez, il y a encore 2 semaines, les chiffres en matière d'attractivité économique sont tombés. La France a détrôné l'Allemagne, a détrôné le Royaume-Uni. On est numéro 1 en termes d'attractivité des investissements. Et il s'agit que, naturellement, de continuer dans cette voie, de s'assurer que tous les efforts produits conduisent à attirer des entreprises, des emplois, parce qu'on en a bien besoin.
Et du coup, au sujet donc de cette chance d'avoir comme président Emmanuel Macron, apparemment, il y en a qui ne pensent pas la même chose. 84 plaintes ont été déposées à ce jour contre l'exécutif pour la gestion de la crise du coronavirus. Et vous aviez la semaine dernière dit que vous vous méfiez des tribunaux qui étaient trop vite érigés à peine on avait fini de gérer une crise, ou même de pas finir de la gérer. Est-ce que vous considérez que le recours systématique à la justice dans tous les cas possibles pour condamner entrave l'action politique et la rapidité, son efficacité? Bon, on est de toute façon dans une société avec une judiciarisation croissante. C'est une réalité, c'est une tendance, c'est vendu avec, donc on fait avec. Mais je crois que ce qui est important, c'est naturellement faire le retour d'expérience, voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Très clairement, je crois que c'est l'objectif. Et nous, par exemple, ici au Quai d'Orsay, on a beaucoup géré pendant cette crise le retour de Français qui étaient bloqués hors de France. On fait aussi sur ETEX. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Quand on est en mode urgence, on y va, on donne tout, on fait du mieux possible. Et je pense que tout le monde a fait du mieux possible. Et puis après, naturellement, le Parlement, il est dans son rôle, par exemple, en travaillant à travers les commissions d'enquête. Et aujourd'hui, commencer un certain nombre d'auditions, ça sera l'occasion d'éclairer, de dire la façon dont tout le monde à son poste s'est engagé. Parce que je pense que il ne peut pas y avoir de reproche de ce point de vue-là. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied, était sur le pont H24 pour apporter des réponses, chacun dans son domaine. La vie politique aujourd'hui, effectivement, fait que la judiciarisation est là, mais ça ne doit pas empêcher d'agir, au contraire, parce que quand on agit, il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe derrière. C'est en termes juridiques, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour agir du mieux possible, sauver le maximum de vies. Et je crois que tout le monde l'a fait, en tous les cas, de bonne foi et avec beaucoup de bonne volonté. Et j'y associe toutes les équipes, je dirais, dans administratives et sans parler naturellement du dévouement exceptionnel des soignants qui ont été matin, midi et soir. À l'action pour gérer quelque chose d'inédit mondialement, hein, on l'a bien vu. Alors, merci beaucoup pour vos réponses à mes questions. Maintenant, on a le public qui va vous poser quelques questions en se connectant ou alors via notre live YouTube. Donc, une première personne, Paul Contini, qui va vous poser une question normalement sur YouTube, sur Zoom, s'il arrive à se connecter. Sinon, en attendant, je vous pose une question qui arrive dans le live. Donc, c'est une question de César Bernard. Au vu de la probable reprise des flux touristiques massifs, quelles sont les incitations que vous proposez pour que les touristes français restent en France? Il dit qu'il faut valoriser nos patrimoines. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec César. Et je pense en fait que, d'après les études qu'on a conduites, notamment avec les entreprises de voyage, avec un certain nombre d'acteurs du secteur, les Français eux-mêmes, dans leur projection pour les vacances, souhaitent aller vers des lieux qu'ils connaissent, dans lesquels ils ont déjà des repères, des jalons. Cette réassurance, elle passe aussi par là. Et c'est pourquoi je pense que la destination France sera plébiscitée cette année. Et d'ailleurs, en termes de statistiques, on voyait que pour les Français qui, il y a quelques semaines, avaient choisi une destination lointaine, 1 sur 2 avait révisé son plan pour pouvoir plutôt rester en France. Donc, effectivement, c'est un appel aux nôtres à redécouvrir la France. J'ai appelé à cet été Bleu, Blanc, Rouge, parce qu'il y a vraiment énormément à voir. Et puis surtout, l'offre touristique, elle est là. Les parcs de loisirs, tout ça a réouvert, le patrimoine. Et que par ailleurs, ça ne m'a pas empêché d'accueillir les autres parce que j'étais hier en Belgique et il y a de nombreux Belges, mais également Allemands, Néerlandais, etc., qui sont des amoureux de la France, qui ont parfois des résidences secondaires, ont l'habitude de venir au camping chez nous. Et donc, aujourd'hui, on s'est mis en situation de pouvoir les accueillir. Merci pour cette réponse. Du coup, on a Elisa qui s'est connectée pour vous poser une question en Zoom. Oui, bonjour, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup pour ce débat, Mathilde.
Alors, ma première question, Monsieur Lohan, j'ai vu que vous étiez très tôt engagé en politique. Pensez-vous qu'il soit important de s'engager tôt politiquement si on veut devenir haut fonctionnaire ou pensez-vous que cela puisse être préjudiciable? Alors, je pense que j'étais, pour ma part, engagé en politique tôt, effectivement, enfin tôt, tout est relatif, vers 17-18 ans. Mais je crois qu'au-delà de la politique, ce qui compte, c'est l'engagement tout court. Et je crois que la jeunesse a ça en commun, souvent, d'avoir l'engagement chevillé au corps. Après, ça peut prendre des formes différentes, associatives, humanitaires, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois beaucoup à cette vertu-là de se frotter jeune. Parfois à nos aînés, à plus âgés que soi, et donc pouvoir rouler sa bosse. Et s'agissant, parce que vous évoquiez le fait de devenir haut fonctionnaire, là pour le coup, l'engagement politique n'a rien à voir avec tout ça, c'est vraiment les concours, les examens et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, si je fais un peu d'introspection personnelle, quand j'étais en seconde ou en première, je feuilletais les documents des concours du Quai d'Orsay pour devenir diplomate. Et ce n'est pas par cette voie-là que je suis arrivé au Quai d'Orsay, mais c'est par la voie politique, parce que j'ai toujours eu cet intérêt pour la chose internationale, et je l'ai fait au sein de mon action politique, où j'ai fait beaucoup d'international. Donc finalement, je crois que ce qui compte, quand on a quelque chose qui nous anime, un peu un fil rouge dans sa vie, eh bien, on le suit. Même si le chemin auquel on avait pensé n'est pas celui qu'on emprunte, mais souvent on arrive quand même au même endroit. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Et j'avais une seconde question, parce que personnellement, je suis très intéressée donc, par les relations internationales et la fonction publique. Donc, je me demandais, qu'est-ce que l'ESSEC vous a apporté dans la poursuite de votre carrière et quels conseils auriez-vous à donner pour une étudiante de l'ESSEC qui souhaite poursuivre une carrière dans la fonction publique? Très bien. Alors l'ESSEC, pour le coup, c'était une expérience intéressante. Alors, pas tant sur l'international, parce que je n'ai pas profité des systèmes d'échange, etc., mais sur l'aspect marketing du luxe, avec la chaire LVMH à l'époque. Également, j'avais suivi certains cours de l'IMI en matière de management hôtelier. Et tout ça, mais très précieux dans l'aspect, la dimension tourisme, qui est aujourd'hui que j'anime effectivement. Dans le portefeuille, mais que j'ai aussi eu pendant 10 ans dans des activités précédentes. Et je crois que l'ESSEC, c'est la chance, alors, de pouvoir se frotter aussi à des profils très différents. Et c'est plus, finalement, au-delà du contenu des cours aussi, je trouve une belle école d'application. J'avais fait l'alternance à l'époque dans le cadre de l'ESSEC. Donc voilà, je panachais les trimestres à l'école et les trimestres à l'époque chez IBM. Et je dois dire que c'était une formule, je trouve, très intéressante et qui aidait, je crois, à gagner en maturité assez vite, ce qui nous distingue parfois je pense peut-être, d'autres écoles. On est peut-être un peu moins polar, mais un peu plus concret et opérationnel. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup Elisa. On va prendre la question maintenant de Valentine. Oui, bonsoir. J'aurais aimé savoir s'il existait une action ou une réflexion au niveau européen pour relancer les flux touristiques entre les pays de l'Union. Alors tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est cette crise finalement qui a obligé les ministres du tourisme européen à travailler ensemble. C'est la première fois, moi, en 3 ans, que j'ai eu des réunions avec mes homologues de ministres du tourisme dans leur ensemble. Jusqu'à maintenant, on faisait parfois du bilatéral, on allait faire la promotion de l'un chez les autres, etc. Mais là, sous l'égide de Thierry Breton, qui est le commissaire au marché intérieur et au tourisme, on a eu plusieurs réunions pour se caler ensemble, essayer de voir les dates de réouverture des frontières intérieures, etc. Et donc, c'est aussi la prise de conscience que le tourisme, ce n'est pas une activité de cueillette, c'est quelque chose on ne doit pas se ramasser pour l'obtenir, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit. Et donc, il y a une vraie prise de conscience, effectivement, pour relancer le moteur du tourisme au niveau européen. Et ça passe déjà avec la mise en place, c'était hier, je crois, d'une plateforme qui s'appelle
reopen.europa.eu sur Internet, qui permet déjà de donner pour le voyageur européen toutes les infos concrètes sur la situation du tourisme, les papiers, etc., enfin, toutes les, ce qu'il est possible de faire ou pas dans les États de l'Union européenne. Donc, je crois que ça va être très précieux pour que chacun se projette dans son voyage considère le fait à nouveau de se déplacer et d'aller ailleurs en Europe. Donc, la réponse est oui, mais ce n'était pas une évidence il y a quelques mois et ça l'est désormais. D'accord, merci. Alors, je vais vous donner une question du chat YouTube maintenant. C'est Victor qui vous demande comment est-ce que la France accompagne les pays en développement qui sont durement touchés par la crise sanitaire, comme on l'imagine. Alors, on a effectivement, le président de la République a été très, très vraiment ardent à mettre en place un plan d'action pour aider un certain nombre de pays en développement. Ça s'est fait d'une part en se coordonnant aussi avec ce qu'on appelle les fonds verticaux, c'est les grands fonds qui aident à la santé mondiale, je pense au Global Fund, à Gavi, etc., qui sont des alliances aussi pour faciliter l'accès aux médicaments. Donc, on a, nous, accru, en fait, notre aide globale aux pays en voie de développement de 1 milliard d'euros, spécifiquement pour traiter ce sujet du Covid-19. Et donc, c'est un montant qui est significatif. On a un chef de l'État qui est très engagé pour que, justement, en matière d'éducation, en matière de santé, on puisse apporter des réponses structurelles pour remettre ça un peu en perspective. Depuis 2 ans et demi, notre aide publique au développement remonte à nouveau parce que de 2010 à 2017, elle s'était cassée la figure. Elle était tombée à 0,37% du PIB. Et donc là, on remonte petit à petit. On a dépassé les 0,42 de mémoire. Et donc, c'est au profit notamment de ces fonds santé, du partenariat mondial pour l'éducation, pour favoriser l'éducation des jeunes filles notamment, parce que la clé, elle est là dans beaucoup de pays pour l'émancipation et puis tout simplement pour lutter aussi contre un certain nombre de fléaux que sont l'extrémisme, l'endoctrinement, etc. Donc voilà, la réponse, c'est effectivement 1 milliard d'euros dédiés et puis également un engagement très fort du président pour obtenir un moratoire sur les intérêts de la dette qui permet aux États concernés d'utiliser les sommes ainsi économisées à la montée en puissance de leur système de santé pour répondre à la crise. Et ça, c'est, ça a été atteint il y a à peu près un mois dans le cadre du G20. Merci beaucoup. Et donc, dernière question de cette interview. Question de Constance. La réouverture des frontières extérieures de Schengen, donc qui est prévue pour le 1er juillet, n'est-ce pas trop tôt? Alors, on voit bien à travers la question de Constance qu'il y a encore des appréhensions qui sont légitimes, surtout quand on voit par exemple les annonces de la mairie de Pékin sur une éventuelle deuxième vague. C'est pour ça qu'on s'est donné 15 jours d'ici le 1er juillet pour travailler avec les collègues européens sur l'état sanitaire des pays dans le monde, parce que le président l'a dit dans son allocution, d'ailleurs dimanche, il a bien précisé réouverture à des voyageurs de pays ayant maîtrisé l'épidémie. Donc, il y a cette condition de la maîtrise de l'épidémie. Donc, on est en train de partager nos données sanitaires avec les collègues non européens pour peut-être garder des mesures spécifiques sur certains pays, certains voyageurs, pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Encore une fois, je crois qu'on a suffisamment payé pour voir combien la période de confinement était complexe et combien on avait souffert avec des décès de ce Covid pour éviter effectivement toute réimportation de cas. Et donc, très clairement, le 1er juillet, c'est pas on ouvre à tous les vents sans aucune condition, on va regarder ça de très près. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est plus un plaisir d'avoir discuté avec vous. En espérant vous retrouver un jour dans le Grand Amphi, de façon plus classique et traditionnelle. Ce qui permettra aussi de retrouver non loin quelques lieux de mémoire comme le FOIS ou autre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Très bonne soirée à vous. Parfait. Au revoir et merci à tous.
Au revoir.